Hello les gars, bienvenue sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. On n'est pas obligé de tout dévoiler maintenant. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul Shein. Ça fait longtemps, beaucoup trop longtemps. Regardez comment je suis contente, wesh. Ça fait quelques temps qu'on se connaît, vous et moi maintenant. Vous savez que j'aime trop Shein. Mes hauls préférés, c'est les hauls Shein. Je suis une meuf pas chère, j'aime pas payer cher. Aujourd'hui, ça va être un big haul. Non mais attendez, je vous montre le carton. Tout ça. On a tout ça de vêtements à essayer. Ça va être un haul hyper varié. J'ai pris des maillots de bain, j'ai pris des robes, des ensembles, des pantalons, des chaussures, des accessoires, des lunettes, des tops. J'ai tout pris. Il y a quelques vêtements que vous avez pu voir lors du vlog à Barcelone. Et le reste, je vais vous montrer maintenant. J'ai commencé par un ensemble que je voulais trop mettre en Espagne, que j'ai pas pu mettre. Je vous montre ça. Les gars, la tenue est canon. Je suis canon dedans. Oh, ça va, faut le dire quand c'est beau. Hein. J'aime trop la couleur, j'aime trop la coupe, j'aime trop la matière. C'est un 10 sur 10, c'est un 11 sur 10. La jupe, il me semble que je l'ai pris en M, c'est une matière élastique. Et le top, je l'ai pris en S et c'est pas une matière élastique du tout. Là, ça fait vraiment tissu et ça, ça fait élastane. Je sais même pas c'est quoi l'élastane. Si là, je ressemble pas à une ricaine, je sais pas, je ressemble à quoi là. Bref, j'adore la tenue. Je vais vous montrer ça avec des talons que j'ai pris dans cette commande et un petit sac. J'arrive. Alors, le sac, c'est celui-là. C'est imitation Jacquemus, il me semble. Jacquemus, ils en font un comme ça, assez long. Bah, c'est Shein, ça coûte rien. Après, c'est pas une qualité de fou. Hein. Le sac, ça va, il est pas tout léger. Mais il y a déjà des petits fils qui commencent à sortir. Et je l'ai porté quoi? J'ai dû le porter, je sais pas, 3-4 fois. Je le mettrai encore jusqu'à fatiguer. Et les talons, c'est ça. Ça, c'est imitation Bottega, il me semble. Enfin, pas imitation, mais inspiration. Comme ça, avec le filet. Je les ai portés une fois. Pour sortir, elles sont archi confortables. Tant qu'on est dans les robes, je vais essayer une petite robe marron, très tendance, comme celle que j'avais dans le vlog pour l'Espagne, verte, mais celle-là en marron et en moins courte. Voilà la robe, donc c'est la même que la verte que j'avais dans le vlog Barcelone, sauf que c'est une autre couleur, et elle est plus longue. Donc la verte, c'était une Zafoul, celle-là, c'est une Shein. Et je la trouve canon. Après, faut avoir le corps. Là, bien évidemment, la bidoche est cachée sous les culottes taille haute que je mets toujours. Mais pour les seins, j'ai les seins grave tombants. Donc en fait, il faudrait que je mette quelque chose pour remonter mes seins comme ça, pour pouvoir mettre la robe, parce que sur les côtés, elle est grave ouverte. Mais je kiffe quand même la robe. Vous pouvez la mettre comme ça, ou plus comme ça. J'aime bien comme ça. Dos nu. Au niveau de la matière, c'est normal. C'est pas hyper léger, c'est pas transparent non plus. Ça va, franchement, bonne matière. I love it. Et franchement, la couleur, magnifique. Je vais vous montrer avec des petites sandalettes. Pas des sandales, comment on appelle ça? Des claquettes. Donc, c'est des petites claquettes passe-partout, bah, à mettre avec ce genre de robe quand tu te promènes tranquillement. Mais je suis dégoûtée, elles sont trop petites. Au niveau de la longueur, elles sont pile poil, mais ce truc-là, là, il est beaucoup trop serré. Et moi, j'ai un pied quand même assez fat. Donc, si t'as des pieds fins, ça va, mais si t'as des pieds un petit peu gros, c'est mort. Tenue suivante. Alors là, on est sur une tenue que vous avez déjà vue si vous me suivez sur Insta. C'est un ensemble vert, très sympa. Franchement, la matière, elle est bien, tout ça. Mais je sais pas. L'ensemble est bien, mais je crois que j'aime pas en fait la fente sur le côté. Ou peut-être que j'aime pas par rapport à quand je l'ai porté la dernière fois. La dernière fois que je l'ai porté, je sais pas, je me trouvais pas en valeur. Je trouve que, je sais pas, j'aimais pas. Je trouve pas que ça fasse chicot, ça fait un peu, je sais pas. Ça m'allait pas super bien. C'est super joli, mais en fait, je pense que le bas me va trop serré et c'est moi qui mets pas la robe en valeur en fait. Ça fait grave sirène, genre. C'est trop les trucs en ce moment, maintenant c'est des fils de partout. Tu sais même plus comment attacher tes vêtements. Bref, tenue suivante. Alors là, on est sur un petit top ultra cute, ultra summer. C'est un top que j'ai kiffé. En fait, je l'ai vu sur Insta, je crois que c'est Rebecca Rie qui avait une photo avec une robe dans ces motifs-là. Et je trouvais ça trop beau. Ça fait grave Bad Gal, genre Rihanna. J'ai trop kiffé. Je suis carrément allée le chercher sur Shein, tellement qu'il y a tout sur Shein. Je savais que j'allais le trouver. J'ai trouvé. C'est un petit top trop cute. J'aime trop, ça fait grave été. Moi, je l'ai attaché comme ça en faisant un petit nœud, mais il y a des petites agrafes et un bouton pour l'attacher. Très caliente, j'aime trop. J'en profite, je vous montre ma petite paire de lunettes orange. Ça fait très été, ça aussi. Je les kiffe trop, je trouve que ça fait grave rétro, mais par contre, c'est clairement pas des lunettes de soleil.
si c'est plein soleil que tu mets ça, ça va te défoncer les yeux. C'est juste pour le style. Tenue suivante, je vais essayer un pantalon zébré. Je trouve ça grave stylé sur Insta, mais est-ce que moi ça va m'aller? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore essayé. Je vais essayer de l'essayer avec ces petits tops là. C'est des petits tops basiques, comme ça, dos nu. J'en ai déjà essayé un, j'ai vu qu'ils étaient beaucoup trop grands. Je vais voir ce que je peux en faire. Et pourtant, je les ai pris en S, hein, mais j'aurais dû prendre XS. Il faut vraiment les prendre en petite taille. J'ai pris 36. Il y a cette couleur-là, le noir et le beige. Je vais voir ce qui va le mieux avec le pantalon zébré. Hi! Franchement, c'est cute, hein? C'est super cute, ces petites couleurs café. Cappuccino, caramel, je ne sais pas, c'est super super cute. Le pantalon, il me va super bien, je suis grave à l'aise dedans. Et ça fait chic un peu quand même, hein, même si c'est un motif et tout. Et le top, il est moins large que dans mes souvenirs, mais ça fait quand même pas bien près du corps comme j'aurais voulu. Donc en fait, il aurait fallu que je le prenne en 34. Moi, je pense que le pantalon, j'aurais même pu le prendre en 36. Il est pas élastique, mais je suis bien à l'aise. Genre déjà, il fait des jolies fesses. À la taille, il marque assez bien, mais je pense que j'aurais pu le prendre en 36 encore. Je me laisse de la marge au cas où si je grossis. Franchement, coup de cœur le pantalon là, j'aime trop. Bon, j'ai réussi à le mettre comme la meuf sur la photo. Ouais. Ça me gonfle cette mode des hausses et des bouts de tissu. C'est un casse-tête pour les mettre, c'est trop chiant. C'est stylé, mais c'est trop chiant. Le top, il est joli, c'est une matière maillot de bain. Je pensais plus que ça serait un haut chicose, genre dans une matière un petit peu satin. Ça ne l'est pas, mais c'est joli quand même. Mais franchement, je vois pas où tu mets ça. Je vais essayer de le mettre différemment. Ouais, bon voilà, c'est encore un de ces hauts que tu peux mettre de 40 façons différentes. Mais franchement, il est sympa, il est cute. Ça fait bad bitch, mais c'est joli. Tenue suivante. Alors cette robe, vous la connaissez, je l'ai mis dans le vlog, c'est ma robe Aya Nakamura. Je sais pas pourquoi, pour moi ça me fait trop penser à Aya. Mais ce côté-là, la robe moulante, longue et tout, ça me fait trop penser à elle. Et j'aime trop cette robe, la qualité, elle est top. Le côté moulant, froissé sur les côtés, c'est trop chic et sexy à la fois. Ça fait été, c'est juste... Mashallah. Je vais m'acheter plus souvent des petites robes moulantes longues comme ça parce que ça fait vraiment son effet. Tenue suivante. Moi, cette tenue, elle est canon. Vous l'avez peut-être déjà vue sur Snap parce que je l'avais mis en Espagne et j'ai pas réussi à exploiter son potentiel. Quand je l'ai vue sur Shein, je me suis dit, mais cette robe, il y a un truc à faire, mais je sais pas. Faut que je me concentre correctement pour bien exploiter son potentiel. La matière, elle est bien, c'est élastique de ouf. Les couleurs, elles sont canon, ça fait très African Queen genre. Mais après, je trouve que la jupe, elle me va un petit peu serrée. Mais la tenue est quand même canon et j'adore. Faut que je fasse des photos avec avant la fin de l'été. Tenue suivante. Laissez-moi vous présenter mes deux maillots de bain Instagram. Pourquoi maillot de bain Instagram? Parce que c'est clairement des maillots de bain que je pourrais mettre que pour faire des photos Insta. Je pourrais le mettre pour aller à la plage. Mais si je veux vraiment profiter, me baigner, piscine, tout ça, c'est pas ça que je vais mettre. Ils sont super canons, super sexy, mais ils sont pas assez taille haute pour cacher ma bidoche. La culotte, même si je la remonte à fond, ça cache pas assez la bidoche qu'il y a ici. Donc c'est des maillots de bain que pour les réseaux, que pour les photos, que pour les semblants. Celui-là, c'est le deuxième maillot de bain Instagram, vous le connaissez. Il a déjà été rentabilisé sur Insta. Franchement, les deux, je les kiffe à mort. Ils sont canons. Celui-là, le triangle du haut, il est un petit peu petit, je trouve. Il ne faut pas avoir une forte poitrine. Et je crois que c'est du M. Et celle-là, la culotte, elle monte encore moins haute. Donc, c'est vraiment des culottes taille basse, taille normale du moins. Ah, j'en ai un dernier maillot de bain que celui-là, je n'ai pas encore essayé. On va essayer tout de suite. Celui-là, ça ne sera pas un 3 pièces, c'est un 2 pièces. Voilà, quand je parle de maillot de bain Instagram et de maillot de bain pas Instagram, c'est ça. Celui-là, c'est un maillot de bain plus tranquille, ça fait moins sexy, moins extravagant, mais c'est un maillot de bain que je pourrais mettre pour aller à la piscine, à la plage. Un maillot de bain que je vais mettre vraiment pour me baigner. Et il est super joli. Maillot de bain, je l'ai choisi taille haute. Le seul critère qu'il me faut, c'est taille haute et il faut que ça soit gainant. L'année dernière, j'ai acheté un maillot de bain taille haute noir sur Shein, mais il n'était pas spécialement bien gainant. Donc c'était chiant. Mais celui-là, il est bien gainant.
Ça fait grave maillot de bain de daronne, les maillots de bain taille haute, mais c'est ce que je suis. Et le top, comme ça, j'aime trop, il maintient super bien les seins. Article suivant, je vais vous montrer un petit short que j'ai commandé. Je l'ai sorti du paquet, il avait l'air archi grand. On va essayer. Ouais, bah écoutez, le short, il est beaucoup trop grand. À la base, je voulais un short chill, mais un short assez court. Là, il est beaucoup trop long, ça fait grave. C'est pas ce que je voulais. Je pensais que la matière, ça ferait plus matière sur vêtements. Là, c'est un petit peu plus rigide et léger. C'est pas vraiment ce que je voulais. Je vais le donner à Sam. Comme ça, c'est réglé. Tenue suivante. Là, on est sur une petite robe. J'avais oublié que je l'avais. Je l'avais sortie un soir parce que je devais aller en soirée. Je voulais la mettre. Mais je l'avais grave oubliée. Ça, c'est clairement un classique des robes sexy. C'est devenu un classique. Les robes comme ça croisées, c'est un basique classique. Mais il faut en avoir. Ici, le bout, il est pas très large, hein. Donc ça me gêne un peu. Je sais pas si je pourrais sortir avec ça comme ça. Faudrait que je trouve quelque chose pour remonter les seins et ça serait top. Ouais, vraiment, le bémol de la robe, c'est que si vous avez les seins qui tombent sur le côté, on voit tout. On voit tout, donc faudra trouver un stratagème. Mais sinon, la robe est canon, la matière est bien, c'est pas trop léger, c'est pas transparent. Très sexy. L'article suivant, c'est un pantalon. Comment on appelle ça? Je sais plus. Il est hyper bien noté, il y a grave des gens qui commentent pour dire que il est incroyable. Donc on va voir s'il est incroyable. Effectivement, le pantalon est très sympa. Il taille archi bien. Je sais pas si je l'ai pris en 36 ou en 38, mais il est archi bien. En fait, c'est un pantalon flair beige. Ce qui est canon, c'est que la matière, elle est grave stretch. Stretch, mais qui maintient à la fois. Ça fait des jolies formes et il est nickel. Au niveau de la longueur, il m'arrive pile poil. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il baille vite fait à ce niveau-là, mais c'est rien de grave, surtout que moi je suis cambrée, donc j'ai l'habitude avec mes pantalons. Et au niveau de l'entrejambe, ça fait un petit peu des plis quand même. Je vais vous montrer les accessoires qui me restent. J'ai commandé des petits colliers très années 70, comme ça, les petits colliers qu'on se faisait en primaire. Au niveau de la qualité, c'est pas qualitatif du tout, hein, mais après, il faut voir le prix des bijoux. Ça fait vraiment bijoux en toque, genre. C'est les petits bijoux comme ça. Et j'aime trop. Ça fait grave années 70. Alors, peut-être pas comment je suis habillée, mais j'aime trop. J'ai aussi pris ces lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, elles viennent toujours dans leur étui, comme ça, Shein, avec le petit truc pour nettoyer les lunettes. Et celle-là, c'est clairement que pour les photos aussi. Celle-là, elle protège un petit peu du soleil, mais c'est que pour les photos parce que ça me va pas. Ça me va pas du tout. Elles sont balèzes. I don't care. C'est juste pour les photos. J'avais dit que j'allais arrêter de prendre des trucs juste pour les photos, mais c'est la vie. Il me reste deux articles à essayer. Les deux articles, c'est des jupes. Je vais commencer par celle-là. Alors là, je m'attendais archi pas à ça. Je pensais que j'avais pris une robe basique. Tu vois, une petite robe simple à passer avec un petit top sexy. C'est pas basique. C'est archi pas basique. C'est canon. La robe, elle est ouverte des deux côtés. Ça veut dire chata deux fois. J'aime trop. Oh, mais j'aime trop. J'aime trop. C'est très, très chata. Chata. Chic si tu veux, hein, parce que t'es pas obligé de la remonter autant. J'ai fait ce choix. Si tu veux, tu la baisses, vas-y, tu laisses juste paraître un petit peu de chair. Mais ici, on aime ça. Même comme je suis habillée, là, ça donne un petit côté sexy chill. On a inventé un nouveau mot là, sexy chill. Ça fait sexy chill, genre, je kiffe. Sanson, il va vouloir briser mes jambes quand je vais la mettre, mais c'est Dieu qui donne mon bébé haut. Alors là, on est sur une petite jupe salsa. C'est une petite jupe à mettre tous les jours, sans vouloir être une bad bitch, sans vouloir être trop chic. Une petite robe passe-partout pour se balader si le soleil revient un jour. Elle est jolie, mais des un, ça me stresse que la fente, elle soit pas à gauche. Et de deux bémol, elle est un petit peu large à la taille, mais j'ai grave maigri ces derniers temps, donc j'ai de la marge. Faut que je reprenne un petit peu de poids. Les loulous, c'était le dernier article de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si c'est pas encore fait, tu t'abonnes right now. T'hésites pas à m'ajouter sur Snapchat, sur Instagram. Je vous mets toutes les infos sur les articles en description, comme d'habitude, avec les tailles que j'ai prises, ma morpho, ma taille. Tout ce qu'il vous faut. Et en attendant la prochaine vidéo, on se fait plein de bisous d'amour en se disant à bientôt.